Bon, la Nini a fait une bonne petite sieste et ensuite y a ma mère et tout ça qui viennent garder Alia parce que nous on va aller un escape game comme je vous ai dit hier de l'horreur. Genre je suis pas prête du tout mais je pense qu'on va bien rigoler. T'es prêt chérie? Regardez son t-shirt d'ailleurs quand il est trop beau. Il est marqué Alia. Enfin là on voit mal, attendez je vais zoomer sur le t-shirt. Alia. Comment ça t'as une autre femme en photo sur toi? Hein? Elle est où mamie? Hein? Le mouton, il fait non, 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 non. Elle essaye de me prendre tout ça, là, je peux plus. Non, Alia. Bon, est-ce que t'es prête? Pas du tout. Je suis en panique, hein, j'ai les mains moites. Hein. Carrément. Elle va être espèce de blague. Moi, c'est arrivé là-bas, je vais pas être bien. En plus, je crois un moment, à mon avis, bon, éteindre la lumière, parce que t'as vu hier, j'ai mis l'histoire. Oui, j'ai même pas lu. J'ai entendu, vous allez entendre des enfants qui hurlent, j'ai arrêté de lire. Trop pour moi déjà. Chérie, attends. Et... C'était quoi Viens me dire tes impressions. Ah non, mais là, du coup, c'était 1977. Donc, voilà, on a fini tes impressions. Je me suis chié dessus. Par contre, il y en a une qui nous a complètement abandonné. Au début, c'était. Gigi. Mais ouais. Elle est sortie, elle a dit, je pleurais. Mes parents. Mes parents. Et j'ai trop fort. Lui, il a même pas eu peur. T'as pas eu peur? Non, ça. Ça va. Non, non, toi aussi, t'as pas eu peur? Non, mais même, il... Oh, toi, grave. Non, mais eux deux, là. Mais laisse tomber. S'il nous arrive une galère, Non, non, t'es une mytho. On a déjà eu des trucs et tu m'as vu non, à l'œuvre. Une galère d'horreur, mais tu pars au courant, frère. Ah, une galère d'horreur, oui, t'as autre chose. Donc voilà, franchement, c'était hyper sympa. Maintenant, on va retrouver Alia. Et pour ceux qui ont demandé où c'était, ça s'appelle Asyl Game. Et c'est à Villeneuve-Loubet, on a été. Voilà, il a trois thèmes différents. Maintenant, on a pris le thème genre horreur plus. C'était quoi? La malédiction de Satan. La malédiction de Satan. Franchement, c'était sympa. Heureusement qu'il y avait G pour trouver les énigmes. Du coup, on a réussi. Bon, il nous a laissé 10 minutes de plus, je vous avoue. Qu'on puisse sortir. Mais on a réussi parce que les autres. Oh! Donc heureusement qu'il était là. Heureusement. Je te donne une info. C'est que des humains, frère. Je peux pas. Il faut que je sorte. La vérité, je commence à pas bien. Non, je te jure que c'est pas une blague. Et viens, on se tient. Non, je peux pas. La vérité, je suis pas bien. Vas-y, on est dans une galère. Oh, moi aussi, j'aime pas les trucs comme ça. Regarde, allez, il a même pas peur. Lui, il s'est mis du côté de la porte. Imagine, Artika, la petite, elle vient. Artika, la petite, là, j'attends les 14. Les gaufres. Bah, viens avec des gaufres alors. Ah, oui. Plus tu vas montrer ta peur, plus il va être sur toi. Hein. Bah, ouais. Celle qui a plus peur. Arrête, ma soeur, c'est pas drôle. Je te jure, je suis pas bien. J'ai bougé, s'il te plaît. Non, mais par contre, c'est pas... Non, c'est... moi, je peux pas le faire. Hein. Non, non, je peux. J'en ai fait, laisse tomber, c'est des trucs de ouf. Oh. Non, non, faut que je vais vraiment pas être bon, je vous jure, je vais pleurer. Toujours, ça va le faire. Mais... Bah, pleure, hein. Faut que je regarde, il est là. Je sais pas, parce qu'on va lui dire. Ici, je vais faire un unboxing avec vous de mes. Et j'ai retrouvé qui? Mimi Cracra. On va aller au bain? Hein? J'ai retrouvé mon bébé. Et j'ai retrouvé.